Bonjour les beaux diamants et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mercredi 31 octobre 2018. Et pour terminer le mois d'octobre, autant vous dire que ces énergies ne sont pas spécialement agréables. Alors évidemment, ce ne sont pas des énergies que l'on va vivre tout au long de la journée. Il se peut que ce soit juste un moment. Désolée pour cette, pour cet éclat de lumière que l'on a. Je vais quand même aller fermer un peu les rideaux, je reviens. Voilà, c'est quand même beaucoup plus clair, parce que sinon ça fait quand même mal aux yeux, je trouve, donc, ou pardon. Du coup, oui, pour ce 31 octobre, je disais donc que les énergies ne sont pas spécialement favorables, parce que voilà, c'est le 9 d'épée, avec le 9 d'épée, eh bien, on risque de ressentir comme énergie. Sont des énergies d'angoisse, des énergies de stress, des énergies où on se prend la tête, des énergies où on rumine. Donc clairement, ce ne sont pas des énergies très agréables, hein, autant le dire. Parce que ce qui se passe, c'est que le mental a pris le dessus par rapport à une situation à laquelle on pense tout le temps, sans arrêt. Et du coup, cette situation ne fait qu'empirer dans notre tête parce que on n'arrête pas d'y rajouter des pensées. Voilà, une pensée, plus une autre pensée, plus une autre pensée, mais pas spécialement positivement, plutôt négativement. Du coup, après, on a la tête comme un seau, on se sent pas bien et on voit tout en noir. Et du coup, voilà d'où vient ce stress après, d'où vient cette anxiété. C'est parce qu'on rumine et on a peur. Et du coup, le mental a cette habitude d'accentuer nos peurs. Et voilà, et du coup, on a l'impression de tourner en rond et on voit pas la fin et on se sent paniqué et voilà, on ne sait pas ce qui va arriver, on se pose plein de questions, mais c'est pas des questions qui sont très constructives hein, parce qu'on est dans la peur, donc voilà. Donc des énergies pas très agréables et tout ce que je peux vous conseiller quand il y a ce type d'énergie qui viennent nous traverser, c'est de se poser. Tout simplement, et de respirer au moins trois bonnes fois, trois grandes inspirations et trois grandes expirations, déjà rien que ça. Ensuite, essayez de mettre une musique qui vous calme. Si ça ne fait qu'empirer, alors dans ce cas, mettez plutôt une musique qui va vous motiver. Vous savez, une musique qui, quand vous l'entendez, vous avez envie de danser directement, de voilà, de vous lâcher. Peut-être que lâcher la pression vous aidera à diminuer la tension que vous avez, le stress que vous avez. Donc voilà, à un moment, il faudra bien évacuer cette panique, ce stress, cette angoisse, le fait de voir les choses en noir, etc. Donc d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous donne deux, trois conseils comme ça. Donc si vous en avez d'autres, appliquez-les parce que ça pourra du coup venir calmer votre énergie et voilà, vous faire quand même un peu de bien, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite quand même une très belle journée. Courage à vous, que tout se passe bien et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!